Je te vénère, tout puissant Assur, père de la vie. Je t'adore, esprit du bien. Tu n'as rien bu depuis ce matin. Un petit peu d'eau. Bois pour faire plaisir à ta petite Mira. J'ai cherché partout des pièces de monnaie pour le péage. Mais les bandits nous ont tout volé. Réponds-moi! Oh, tu arrives à point, voyageur, merci. Veux-tu m'aider à le réveiller? Fuyez son âme égarée, démon de la folie. Esprit du bien, c'est toi que j'invoque. Laisse le malheur derrière toi. Et suis-moi. Viens. Peuple d'Assyrie, la cupidité conduit à la ruine. C'est moi, Zoroastre, qui vous le dis. La vengeance de l'esprit frappera à la cruauté des hommes et l'inanité de vos dieux, car vos dieux sont faux. L'esprit du bien. Il a offensé le roi. Il est venu nous apporter le malheur. Cet homme est un agitateur dangereux. Cours vite chercher les gardes du palais. Fais-le arrêter. Le bien ne triomphera que le jour où Ninive et Babylone seront réduites en cendres et désert. Vous avez conquis Babylone par votre valeur. Maintenant, votre roi la garde en esclavage en la jetant dans une misère de plus en plus profonde. Il lui inflige le paiement de lourds tributs, alors que le devoir du vainqueur est d'élever le vaincu à sa dignité et à sa civilisation. C'est vous, les soldats. C'est un ennemi de la Syrie. Je l'ai entendu. Il disait que même le roi mangera la boue et la poussière quand il sera mort. Eh bien, vieillard, quel discours oses-tu faire ici? Je viens de très loin, soldat, mais je ne viens pas en ennemi. Mon seul ennemi est l'esprit du mal, et quiconque se laisse posséder par lui. L'air frais du cachot t'éclaircira les idées. Soldat, emmenez-le. Thank you.
Attendez ici. Babylone a envoyé une escorte d'honneur pour son nouveau roi. Voilà le futur roi de Babylone. C'est presque un enfant. Salut au prince de Shamash, frère du puissant roi de Ninive. Salut à toi, Arbacès, régent de Babylone. Bienvenue à Ninive. Hammurabi, tu m'as beaucoup manqué. Les citoyens de Babylone t'attendent impatiemment. Et surtout les Sinnes. Où vas-tu? Justice, prince! Justice! Va-t'en, sorcière! Arrête! Et toi, relève-toi. Ne demande pas la justice. Quand les princes voudront s'agenouiller devant le peuple, ce jour-là verra alors le règne de la justice. Sais-tu qui est devant toi? Le futur roi de Babylone. Incline-toi. Agenouille-toi. Tu as offensé le roi. Emmenez-le et jetez-le en prison. Tu es vraiment trop belle. La prison risquerait de t'abîmer. Hammurabi, conduis-la à Crisia. Qu'elle en prenne soin. Je te rejoins. Arbacès, veux-tu maintenant me présenter ta suite? Voici mon fidèle Bélas. Il sera le chef de tes gardes du palais. À tes ordres, prince Shamash. J'espère pouvoir te prouver ma valeur et ma loyauté. Bien, n'aie pas peur. Crisia. Oh, Seigneur, tu as fini. Crisia. La route ne m'a jamais paru si longue, tu sais. J'ai peur que cette fois, tu ne sois pas sincère avec moi. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Cette jeune fille est Shamash. Il te la confie, Crisia. Occupez-vous d'elle. Viens. 1000 bœufs, 1000 chameaux et 100 navires de grain. Voilà le tribut que Babylone offre à Sardanapale, tout-puissant roi de Ninive, grand prêtre consacré par le dieu Assur, maître de l'Égypte de la nuit. Je suis très flatté. Je te remercie beaucoup d'avoir doublé la liste de mes titres, Arbacès. Ce qui me surprend, c'est que le tribut de Babylone est baissé du même coup, d'environ un tiers. Le tribut est toujours établi en fonction de la récolte, tu le sais. Et cette année, la sécheresse a brûlé toutes les provinces orientales. L'année prochaine, la récolte sera meilleure. Mon frère Shamash sera là pour y veiller. Je voulais te parler, vois que... Babylone peut attendre. Eh bien, que voulais-tu me dire? Excuse-moi de t'interrompre en pleine discussion, mais il s'agit d'une affaire qui me tient à cœur. Viens, dehors nous serons plus tranquilles. Décidément, l'orgueil assyrien est intolérable. Et ce jeune garçon est plus capricieux qu'une femme. Prenez garde à ce que vous dites. Et toi, n'oublie pas que Shamash est mon ami. L'amitié ne peut pas exister entre Assyriens et Babyloniens. Tu t'en rendras compte, Hammurabi. Le pouvoir creuse des abîmes. Même entre frères. Très bien. Puisque tu me le demandes, je gracierai ce Zoroastre. Merci, j'étais certain de ta générosité. Tu as un devoir à remplir. Tu dois aller te purifier dans le temple. Après quoi, les Babyloniens devront t'honorer comme un dieu. Mais le dieu Assur, le dieu de la vie, brûlé d'amour pour la déesse Istar. Tu compares cette humble jeune fille à la déesse Istar? La déesse revêtue elle aussi d'amour et ses yeux brillent comme l'étoile du matin. Retourne auprès de ta belle. Alors, où en était notre conversation? Le conseil des anciens a déjà préparé un nouveau plan pour le tribut. Très bien, j'écoute. 10 000 bœufs, 100 000 brebis, 1000 chevaux, 2 000 chameaux, 200 navires de grain.
Ce que les dieux m'ont retiré d'une main, ils me l'ont redonné de l'autre. Je n'oublierai jamais ta bonté, mon prince. J'ai senti que tu m'étais envoyé par le destin d'Ousmira. Le trône où mon frère m'a placé m'est offert en même temps que l'amour, et ça, c'est un signe. Tu seras toujours à mes côtés. Pendant 7 jours, allons vivre séparés, toi et moi. Dans l'ombre du temple, je dois recevoir les dieux. Ils descendent dans l'âme de ceux qui sont appelés à devenir rois. Et une vieille coutume veut que la femme la plus chère au cœur du prince lui apporte chaque soir l'offrande votive. Je désire que ce soit toi, Mira, qui m'apporte la sébile d'offrement dans le temple. C'est toi qui allumeras aussi les 7 flambeaux, un chaque jour. Je t'aime. Pendant ma retraite dans le temple, vous suivrez les ordres et données. Laissez-nous. Regarde. Je suis venu te donner cette bague avec mon affection. C'était le sceau de notre père. Elle repose. Tu l'emporteras au temple et tu la remettras au grand prêtre, afin qu'il la dépose sur l'autel du dieu Assur. Ô dieu puissant, que ton cœur ne soit pas irrité. Écoute ma prière. Accepte mes fils d'une âme bienveillante. Toi qui m'as placé sur ce trône, accueille-moi comme un fils bien-aimé des dieux. Vive Shamash! C'est un scandale sans nom. A-t-on jamais vu une fille de la plèbe de la tribu des Yuman accomplir dans le temple les rites sacrés? Mon frère a choisi celle qui sera sa compagne, Namtar. Quel mal y a-t-il? Ton jeune frère a été ensorcelé. Ce vieillard est sans doute un mage lié à la puissance nuisible des enfers. Et toi, tu n'aurais pas dû suspendre la sentence de mort. La clémence étant le premier devoir d'un roi, Sardanapal ne saurait punir personne sans l'avoir entendu. Zoroastre, les prêtres t'accusent de sédition et même de sorcellerie. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Et toi, m'accuses-tu?
Tu as déclaré Dieu était faux. Tu subornes les classes inférieures et tu t'es servi de cette jeune fille pour ensorceler le prince Shamash. Roi puissant et sage, je ne suis pas ici en ta présence par ta volonté. L'esprit de la lumière lui-même m'avait ordonné de venir vers toi et je l'ai fait. Sur les monts de la Médie, je suis resté ébloui et étourdi par sa foudre. J'ai entendu sa voix qui me disait « Va vers Sardanapale, roi de Ninive, et parle-lui. » Continue. Le bien est en toi. Et pourtant, l'esprit malin semble être assis sur ce trône. Les peuples pleurent en esclavage. La misère de beaucoup alimente la luxure chez une minorité. Tu peux décider du sort de l'Empire, le rendre éternant des bases nouvelles ou le conduire à la destruction. Alors, ce sera le désert et le silence des siècles. Tu es la terre. Moi, j'ai semé le grain. Et ma mission est terminée. Il t'a offensé. Pour cela, il mérite la mort. Je ne vois pas où est l'offense. Pourtant, ce sont là des propos qui incitent au doute. Or, les hommes ont soif de certitude. Elle leur est nécessaire. Tu dois le savoir, Zoroastre. Tourne dans tes montagnes de Médie. Je donnerai des ordres pour ta sauvegarde. Mais tu ne devras plus quitter ces montagnes. Si ce que j'ai semé lève un jour, je t'aurai laissé au pied du trône de la justice. Sinon, Mira, toi aussi, tu verras la gloire devenir cendre. Du temple, Mira. J'ai porté comme chaque soir l'offrande de grains. Sais-tu que l'offrande de grains est un privilège réservé aux reines? Non, je ne le savais pas. Amourabi, que fais-tu dans la chambre de Shamash? Vois-tu, c'est là que nous avons grandi ensemble. Nous avons joué ici à tous les jeux innocents de l'enfance heureuse. Mais ta voix est pleine de mélancolie. Pourquoi? Que va devenir Shamash? Il est beaucoup trop impétueux et trop jeune pour connaître l'art du pouvoir et de la guerre. De la guerre? Arbacès a désert l'Empire. Il a certainement tramé quelque chose et je ne voudrais surtout pas avoir à choisir. Choisir entre Shamash et Babylone? Oui. Entre mon ami et le sort de ma patrie. Je suis dans ta conscience. Parce que je connais ton âme. Et c'est pourquoi je t'aime depuis toujours. Thank you.
Assur, maître du ciel, des astres bénéfiques et de la terre, dieu des Assyriens, t'a transmis son pouvoir, mon frère. Le feu ou les éléments eux-mêmes ne pourront rien contre le roi. Prouve-le à tous. Au nom de notre père, le vénéré Assaradan, je te fais roi de Babylone. Le peuple, dorénavant, t'obéira comme au fils de nos dieux. Gloire à Shamash, prince de Ninive, roi de Babylone. À Shamash! Gloire à Shamash, roi de Babylone! En l'honneur du nouveau roi de Babylone, il est donné 3 jours de fête publique, et nous ouvrirons les grandes chasses dédiées au dieu Assur. Aujourd'hui, Shamash te prouvera son courage. De par là. Les lions essaieront de filer vers l'Orient. Tu as raison. En avant! La chasse se présente bien. Les lions vont bientôt sortir de la forêt. Crécia, j'ai peur de quelque chose. Voyons, pour qui peux-tu avoir peur?
Essaie de te reposer maintenant. Mira t'apportera de l'eau de la fontaine. Grave, tu as eu de la chance. Tu es arrivé à temps pour me sauver. Ne t'en va pas. Le roi soif lui aussi. Tu as sauvé Shamash, je t'ai vu. Laisse-moi te remercier, mon roi. Je ne suis pas seulement un roi. Je suis aussi un homme. Non. Non, c'est impossible. L'ombre du passé revient. Mais je la chasse. N'est-ce pas cela que tu désires? Bientôt, nous serons dans mon royaume. Et je veux donner de grandes fêtes. Babylone s'émerveillera. Je ne veux plus te voir ce sourire pâle et malheureux. Voilà la peau du lion qui a failli te tuer. Nous la placerons au pied de ton trône. Amurabi vient de me dire que ce lion avait été dressé par toi. Amurabi aime plaisanter. Mais il ne sait pas s'arrêter quand il faut. Regarde, roi, tu l'avais déjà blessé à mort. Tu as raison. Et tu vois, Mira, je l'avais déjà touché là. Et là. Deux fois. Nous l'étendrons au pied du trône. Mais nous dirons que c'est toi qui l'as tué, et non le roi de Ninive. Et pourquoi cela? Tu ne comprends pas. Tu veux que notre peuple apprenne que tu lui dois la vie? Tu ne comprends pas que sa gloire te rejette dans l'ombre? Tu es bien jeune, il est vrai. Mais nous voulons un roi, et non un fonctionnaire de l'Empire assyrien. Shamash, crois-moi, je dis cela dans ton intérêt. Je ne sais pas si tu me parles en ami. Mais tu as du courage, Arbacès, et tes paroles savent blesser. Ce sont parfois les vrais amis qui font du mal. Celui qui flatte est souvent contre toi. Et celui qui dit t'aimer couvre la trahison, peut-être. Et toi, fais préparer 30 chevaux rapides et les litières pour les femmes. Demain matin, à l'aube, nous partons. Ce sera fait. Je suis venue te dire au revoir. Nous partons demain matin. Non. Non, tu ne vas pas partir déjà. Si, et tu ne dois plus penser à moi. Tu sais comment se réparent de telles offenses? C'est toi qui me l'as enseigné. Personne ne t'a offensé. Écoute-moi, mais Shamash. Non, Shamash, je t'en prie. Tu ne peux pas, c'est ton frère. Et toi, attends. Et toi, défends-toi. Roi de Ninive. Ce sera moi ou toi, traître! Ne bouge pas! Qu'est-ce que tu attends maintenant? Allez, tue-moi! Aurais-tu peur?
Macès a raison. Il dit que tu es aveuglé par ton orgueil. Mais tu connaîtras la force de ma vengeance. Voilà, mon jeune roi, les forces qui firent de Babylone un royaume invincible comme Ninive. Ce sont nos alliés venus de tous les coins de l'Asie avec leurs valeureux guerriers. Uruk, le chef de l'infanterie nubienne. Quand ses excellents archers attaquent, le ciel s'obscurcit. Nous venons de bien loin, mon roi. Nous aimons la paix, mais si la guerre est nécessaire, aucune armée ne peut nous faire peur. Je connais la réputation de courage des tiens, Uruk. Omar, le chef de 20 000 Perses. Nous sommes là pour te servir, Shamash. Le valeureux Calisti, qui commande 2 000 cavaliers du désert. Rapides comme le vent, on les appelle les fléaux de l'Asie. Fléaux également des craintifs, des peureux et des petites filles déguisées en princes. Mais fidèles serviteurs de qui sait se montrer plus fort et courageux que nous, mon seigneur. Le roi des Mèdes, Tiamat. Il dispose de 100 chars équipés de faux. Ton frère Sardanapale connaît la valeur de mes hommes. Et Lich avec ses 12 000 épériens. Nous sommes prêts à combattre pour toi, Shamash. Je vous remercie. Babylone a maintenant un roi, une armée puissante, et en Arbacès un grand et fidèle général. Grâce à tous ces éléments, nous aurons certainement un règne long et glorieux. Ce sont des hommes très durs. Ils doivent être difficiles à mener. Mais ce sont les hommes qu'il nous faut. J'aurais volontiers planté mon épée dans la gorge de ce cynique cavalier nomade. Mais ils vont apprendre à te respecter si tu leur prouves un jour que tu es un vrai roi. Je comprends ce que tu veux dire, Amurabi. Tu n'as pas confiance et tu as peur pour moi. Mais tu as tort. Et je te le prouverai bientôt. À quoi es-tu en train de penser, Mira? Oh, je ne pense à rien. Il me semble que tu serais plus tranquille dans le palais de ton père. Plutôt qu'auprès de tous ces gens barbares. C'est vraiment à cela que tu pensais, Mira? Tu es sûre que tu ne rêvais pas que tu étais dans les bras de mon frère? Oh, Shamash, tu n'as pas le droit de dire cela. Je t'ai épousé, non? Et c'est mon devoir de n'aimer que toi. Oui, tu devrais m'aimer. Mais tu ne m'aimes pas. Je sais où est ton cœur, Mira. Ne t'ai-je pas suivi jusqu'ici? Ne t'ai-je pas promis de n'appartenir qu'à toi et à toi seul? Si, mais je ne veux pas que tu me donnes uniquement ton corps. Le maudit. Jamais plus je ne l'appellerai mon frère après cela. C'est lui qui m'a volé ton amour. Le grand roi, avec ses airs protecteurs. Mais il me paiera ça, je le jure. Comme elle est tendre, cette viande. On dirait celle de notre roi. Ne parle pas comme ça du roi, c'est un sacrilège, Calisti. Ah, écoute, je ne voudrais pas avoir à me rencontrer avec tes hommes au coin d'un bois. Mais tu parles comme une femmelette. C'est un roi, cette mauviette? C'est un agneau de lait, ce roi, pour rire. Le serviteur aveugle de son tyran de frère. C'est le roi de Babylone. C'est Arbacès qui l'a amené et présenté. Et pour moi, cela suffit. Si Arbacès a peur, ce n'est pas notre affaire, en tout cas. On nous a envoyé un enfant pour nous commander. C'est dans le sang qu'il va falloir laver cette offense. Réfléchissez à ce que vous dites.
Si nous nous dressons contre Sardanapale, il nous écrasera, soyez-en sûr. Les dieux sont avec lui. Toi, c'est la peur qui te fait parler comme ça. Callistine, ne me provoque pas, sinon tu risques de te retrouver avec ce poignard dans la gorge. Que se passe-t-il ici? Nous en avons assez que tout le monde se moque de nous. Nous sommes ici pour nous battre, et non pour protéger les amours d'un jouvenceau. Ne tiens pas compte des sottises de ce nom. Assez, Callistine. Babylone née ne sera jamais l'esclave de qui que ce soit. Elle a des desseins précis. Ce n'est pas encore le moment de faire intervenir les armes, mais quand il viendra, aucune puissance ne pourra plus nous arrêter. Tu pensais à ton armée? Je trouve que tu as l'air bien sombre. Mon armée? Elle ne paraît pas très enthousiaste à mon sujet, mon armée. Les chefs craignent de ne pas avoir un roi, mais un encaisseur de tribut pour Sardanapale. Comment oses-tu dire ça? Tu es un roi, Shamash, un grand roi, mais tu ne dois céder à aucune pression, pas même celle de ton frère. Si tu lui dois quelque reconnaissance, oublie-le. Je ne vois pas en quoi je devrais lui être reconnaissant. J'estime qu'il m'a fait assez de mal jusqu'à présent. Maintenant, je le hais. Je le hais, comprends-tu? Il m'a donné un trône, il m'a sauvé la vie uniquement pour que tout ce que je possède soit à lui. Tu as raison, tout ce que tu possèdes, il le considère comme son bien. Si j'ose te parler ainsi, c'est parce que je te suis tout dévoué. Et parce que je sais qui aime la reine en réalité. Tais-toi! Je connais aussi l'âme et le cœur des femmes. C'est la puissance qui les fascine. Elles aiment les conquérants et elles méprisent les faibles. Mais tu es un roi, toi aussi. Un roi puissant, tu as vu l'armée qui t'attend? Même ton frère n'en possède pas une pareille. Elle te suivra, si telle est ta volonté. Je serai un roi digne de Babylone. Et je le prouverai. Rassemble pour demain tous nos alliés, Arbacès. Si j'ai été choisi par les dieux pour gouverner Babylone, je saurai me comporter en roi, et non comme un vulgaire envoyé de Ninive. Si Sardanapale veut avoir le tribut, qu'il vienne le chercher lui-même. Mais il devra franchir la barrière de nos lances. C'est toi, le frère de Sardanapale, qui veut nous entraîner à la ruine. Si nous refusons de verser le tribut à Ninive, ce sera la guerre. Pour commander une armée en guerre, il faut des hommes forts et courageux. Mais Shamash est un roi fort et courageux. Qu'il le prouve et nous serons prêts à le suivre. Que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas la place des femmes. C'est toujours la place des femmes quand le moment est venu d'éviter aux hommes de faire des folies. Ton frère ne laissera jamais Babylone reprendre son indépendance. Jamais. Ce sera la guerre, mais il l'aura voulu. Mais as-tu réfléchi? Tu vas répandre le sang inutilement. Je le ferai si c'est nécessaire. Et maintenant, sors. Va-t'en d'ici. Ce que tu viens de prouver à l'instant à la reine démontre aussi à tous ces hommes que l'épée de ton frère ne te fait pas peur. Tu iras toi-même à Ninive poser nos conditions. J'irai dès demain. Et pendant mon absence, c'est toi et Amurabi qui me remplacerez. Tes ordres seront suivis. Arbacès, attends, je veux te parler. En quoi puis-je t'être utile? Dans un moment, Shamash doit partir pour sa folle expédition. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas daigné m'entendre. Empêche-le d'aller voir son frère, je sais qu'il t'écoutera. On n'a pas le droit de contrarier la volonté d'un roi. C'est toi qui l'incites à se battre. Je suis babylonien, et non assyrien. Si Shamash veut soutenir Babylone, je suis avec lui, et c'est tout. Mais que t'importe Ninive et son roi? Babylone a été le plus grand royaume de la Terre. Elle le redeviendra et j'en suis heureux. Oh, tu me fais peur, Arbacès. Ton ambition finira par tout détruire. Belas. Tu as bien compris mes instructions? Oui, parfaitement, Seigneur. Tu t'arrêtes environ à mi-chemin de Ninive. Les hommes sont au courant? Oui, ils me sont tous dévoués. Adieu, Arbacès. Adieu, roi Shamash. Bonne chance.
retourne à Babylone, dire à Arbacès que l'ordre est exécuté. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vais à Ninive. Cessant enfin dévoiler son jeu. Dieu de la vengeance, fais que mon épée soit forte. Guide mon bras et je t'élèverai un temple magnifique qui défiera les siècles et les intempéries. Je traînerai les faux dieux de Babylone dans la poussière jusqu'à tes pieds. Sardanapale a déjà quitté Ninive et vient se battre contre nous. Il ne lui suffit pas d'avoir tué son frère. Maintenant, il veut aussi nos têtes. Je ne vois pas en quoi ça nous regarde. C'est Shamash qui a voulu défier le plus grand des rois. Sardanapale est un tyran féroce et sanguinaire. Le meurtre de Shamash va retomber sur lui. Et la mort de mon ami déclenchera la révolte qui libérera Babylone du joug assyrien. Hammurabi a raison. Nous avons fait serment de fidélité à Shamash. Maintenant qu'il a été assassiné, notre devoir est de le venger. Avant que les troupes assyriennes arrivent dans la plaine de Babylone, il faut que nos soldats soient prêts. Allez, et préparez les hommes pour la bataille. Le sacrifice de Shamash n'aura pas été inutile. Tu m'as fait demander? Oui, il le fallait. Je vais t'imposer une bien pénible épreuve, je le sais. Sardanapale est un monstre assoiffé de sang. Que veux-tu dire? Sois forte, Mira. Et regarde. Shamash! Shamash! Ceci est la réponse de Sardanapale. Voilà le sort qui est réservé à tous les traîtres. Oh, Shamash, c'est moi qui t'ai tué, pardonne-moi. Ah oui, c'est moi qui t'ai tué. Il a été ramené par les survivantes de l'escorte. Oh, Shamash! Oh, les dieux en soient témoins, ta mort sera vengée. Je te le jure, le roi de Ninive va payer cher cet infâme assassinat. Malheureux soldats d'Assyrie,
Une fois encore, Babylone veut relever sa tête de monstre. Elle doit immédiatement être anéantie à jamais. Ou nous serons dévorés par ces mâchoires de fer. Voilà le rugissement des lions assyriens. Ils feront payer le lâche assassinat de mon frère. Victoire à Ninive! Aucune force ne pourra lutter contre ton armée, ô grand roi. C'est seulement si le Tigre, notre fleuve sacré, se mettait en colère et si ses flots grondaient contre toi que tu serais en danger. Là, ton trône serait en péril. Mais tant que les eaux du Tigre suivront leur cours séculaire, la victoire t'appartiendra, roi de Ninive, roi puissant, roi des quatre parties du monde. Égarer ton esprit. C'est moi, Sardanapale, ton roi. Toi, tu as tué ton frère. Je n'ai pas réussi à venger Shamash. J'ai tué mon frère. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui vais venger la mort de Shamash. C'est ton message. Quel message? Je l'ai vu de mes yeux, ce message. Sur son pauvre corps décapité. C'est toi qui l'as tué. Non, je jure, c'est Arbacès qui a voulu nous frapper ensemble. Un matin, devant les portes du palais, on a trouvé la tête de mon frère. À la tête!
L'orgueil des Assyriens est rabattu à jamais. Demain, nous assiégerons Ninive. C'est dur aussi une selle, tu sais. Avance donc et estime-toi heureux d'avoir tes jambes. Le roi a dit qu'on était les lions assyriens, mais on aurait plutôt l'air de moutons sous le déluge. Alors avancez, avancez donc. Alors, on a du mal dans la boue, les chars s'enlisent. Dans les cachots. Toi, le dieu tout-puissant, défie-moi! Mais tu ne le peux pas, tu n'es qu'une idole sans force! Et Sardanapale est les idoles! Babyloniens! Approchez-vous des murailles de mon palais! Venez voir votre dieu! J'ai perdu deux frères dans la bataille. Maintenant que les Babyloniens essaient de prendre les murailles d'assaut, je pourrai enfin venger mes morts. Je te comprends. Que l'esprit de vengeance et la bravoure guident tes armes. Ils sont nombreux, monseigneur. Je crois que Ninive n'en a jamais vu autant sous ses murailles. Nous sommes complètement encerclés. Et les assaillants ont beaucoup d'engins de guerre. Nous aurons fort à faire. Ils veulent donner l'assaut, mais je ne les attendrai pas. Fais préparer la cavalerie. Pendant la nuit, je vais tenter une sortie et les surprendre. Il faut les attaquer avant les premières clartés de l'aurore. Arbacès, tu n'as pas encore vaincu. Rejoignez vos postes. La pluie a tout de même cessé. Voici le plan que j'ai préparé pour l'assaut. Toi, Mourabi, tu attaqueras par l'arrière. Moi, j'avancerai de face avec les engins de guerre. Les archers nubiens essaieront de forcer le côté oriental. Ninive est déjà entre nos mains. Retrempez votre courage, mes amis. D'ici peu, nous serons victorieux. Thank you.
Allez, dans la forêt. Vite, replions-nous dans la forêt. Suivez-moi. Se réfugier dans la forêt. Tant mieux, la forêt est notre allié, Asiak. Nous détruirons tout. Retournons à Ninive. Désormais, elle est imprenable. On rentre à Ninive. Tu n'as pas soif? Comment peut-on ne pas aimer le vin? Gloire à Ninive et à ceux qui l'ont défendu. Amis, buvons à notre victoire. Les hommes ont réussi à vaincre là où les dieux ont échoué. Très bien. C'est un jour néfaste pour Babylone et pour ses alliés. T'en prie, cesse de gémir comme ça. Avec quoi donnerons-nous l'assaut à la cité avec nos ongles? C'est ici que Babylone conquérera son indépendance et nous ne partirons pas sans avoir vengé la mort de Shamash. Rassemblez les hommes tout de suite. Jamais vu un temps pareil. Dépêchez-vous! Vous pouvez partir, c'est l'heure de la relève. Il est inutile de monter la garde. On ne voit rien avec une pluie pareille. Thank you.
Aucune force ne pourra lutter contre ton armée, ô grand roi. Le bien est en toi. Et pourtant, l'esprit malin semble être assis sur ce trône. Les peuples pleurent ton esclavage. La misère de beaucoup alimente la luxure chez une minorité. Assour, esprit du bien, j'implore ton pardon. Je purifierai par le feu toutes mes erreurs. Et toi, disperse aux quatre vents, avec mes propres cendres, les cendres d'un monde perdu. C'est la fin, Mira. J'ai essayé de tenter l'impossible, mais en vain. Maintenant, tout est contre moi. Calme-toi, ce n'est qu'un affreux cauchemar. Non, Mira. Ce que Namtar craignait vient de se manifester. Cette nuit, notre monde va périr. La seule chose qui me préoccupe, Mira, c'est ta vie. Je te ferai conduire sur les monts de la Midi. Dis à Zoroastre que la lumière a triomphé des ténèbres. Non, je ne veux pas t'abandonner. Si, je t'arracherai de mes bras, Mira. Si tu vis, je survivrai au moins dans ta mémoire. C'est la seule survie en laquelle je crois vraiment. Tu diras, Sardanapale a vécu dans la puissance et dans la joie. Et ses yeux se sont refusés à voir la défaite. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu vivras, je veux que tu vives. Chrysia, c'est moi, Chrysia, je t'ai cherché partout. Je suis venue me recueillir pour la dernière fois dans cette chambre. Elle a vu s'écouler la jeunesse de Shamash et d'Amurabi. J'avais au cœur tant d'espérance. Et maintenant, tout est fini. Chrysia, écoute-moi, je suis ici pour te sauver. Non, rien n'est fini. Amurabi sera bientôt près de toi. Écoute ce que je vais te dire. Seigneur, laisse-moi partir. Je ne veux pas mourir. Qui appartient au roi doit mourir avec lui. Quoi? C'est le roi qui sert son fidèle soldat. Fastueusement, nous mourrons de même. Grâce à toi, Chrysia, je connais enfin l'âme perfide d'Arbacès. Le tigre a détruit les murailles de la cité maudite et tout le palais est en flammes. Nos troupes bivouaqueront demain dans la ville conquise. Allez, défends-toi! Qu'est-ce que ça veut dire, Amurabi? Défends-toi. Je croyais avoir un compte à régler avec Sardanapale, l'assassinat de Shamash. Heureusement, je sais maintenant avec qui je dois régler ce compte. Thank you.
Regardez, le palais brûle. Bientôt, Ninive tout entière sera en flammes. Qui veut remplir le calice du roi? Moi, monseigneur. Moi. Jusqu'à la mort.